Il est 7h30, vous partez au travail et là, la voiture ne démarre pas. Serrure bloquée, pare-brise gelée ou batterie à plat, de mauvaises surprises assez fréquentes en hiver et pourtant, on peut les éviter en appliquant quelques règles simples. Si elle passe la nuit dehors, la première chose à faire est bien sûr de protéger votre voiture. Une bâche ou un carton pour éviter que le pare-brise ne gèle. Si vous avez oublié de le protéger, dégelez-le avec de l'eau, mais tiède. Attention au choc thermique qui pourrait le fissurer. Et on y pense moins, mais sachez que vos essuie-glaces seront également les premières victimes des températures négatives. Faut penser à éteindre les essuie-glaces avec la commande d'essuie-glaces et pas couper le moteur directement. Pour éviter justement que le lendemain matin, quand vous mettez le contact, si vous avez laissé la commande des essuie-glaces en fonction, ça risque de... Les essuie-glaces vont coller évidemment au pare-brise et ça risque de faire griller soit le moteur ou de casser les bras des essuie-glaces. Attention également à vos pneus. Les températures négatives font baisser la pression des pneus. Un surgonflage est donc recommandé. Et si votre batterie n'est plus toute jeune, allumez vos phares quelques secondes avant le moteur. Pensez à investir dans un liquide de refroidissement anti-gel. Enfin, laissez une couverture et de quoi grignoter dans la voiture, bien utile en cas de panne prolongée.